Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur la Normandie. Comme vous le savez, enfin je sais pas si vous avez rappelé dès l'épisode 10, on a changé de map, voilà, on n'est plus sur la ENNS MGBR, on est sur la Normandie, mais on continue la carrière. Allez voir l'épisode 10, c'est expliqué. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, on va aller semer du maïs. Alors c'est parti, semer un peu de maïs. Alors, on va dans le champ 16 et 14. Allez, on y va. Les patates sont finies de récolter. Le déchômage est fini. Dans les champs. On n'a plus qu'à aller semer maintenant. Alors voilà, on y va. Là, c'est bon, c'est sur la bonne sélection. Alors, on va attaquer à ce champ. Je pense qu'on va faire le détourage. Allez, c'est parti. Parce qu'il nous faudra faire du maïs gras un peu. Il faudrait faire un peu de maïs gras pour les agneaux, parce que les agneaux ils en mangent. Alors je vais en faire un peu. Puis voilà. On va faire le tour du champ. Ouais, comme je disais, alors si vous êtes surpris qu'on n'est plus sur la ENSM du Birge, on a changé de map, voilà. On continuera la carrière dessus. Parce que je trouve que celle-là c'est une belle map. Que l'autre elle était moins. C'était moins. Enfin je sais pas, il y avait un truc. Dessus t'avais même pas les semences, t'avais rien, et que là t'as tout. En plus il y a plus d'animaux ici. Ça c'est bien. En plus on commence à avoir un peu de fumier, du lisier. Que dans l'autre il y avait que les vaches, et bon c'était pas. Puis avec tous les animaux là, ça va être bien. Hop là, si je baisse pas. J'avais commencé déjà à curer les poulets d'élevage, les agneaux, les veaux, les cochons. Avant de commencer les vidéos, comme c'était un peu ma carrière. Mais de toute façon, je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Hein, je vous montrerai le fumier là. Tout ce qu'il y a dans l'auge à fumier, c'est depuis ce que j'ai commencé. Mais il n'y en a pas beaucoup, ouais, ne vous inquiétez pas. Il y en aura plus. Puis voilà. Côté, je sais pas ce que c'est. Donc franchement c'est une belle ferme. Comme dans la vidéo précédente je vous avais dit, allez voir si vous voulez cette map, le compte Facebook de Zagatomix. Ça je vous le mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller le voir et après vous lui demander la map. Moi il avait mis en mince, comment dire. Elle y était sur Facebook déjà, mais après il avait eu un problème, je crois qu'il l'avait enlevé, mais je sais pas, demandez-lui, il vous la passera. Il avait dit sur Facebook qu'il faudra lui demander. Vous allez le voir, vous lui demandez, vous la passera. Je lui ai demandé pour faire, si c'était possible, pour faire des vidéos. Il a dit pas de soucis, tu peux le faire. J'ai vu qu'il y a déjà le simulateur Auvergnat qui fait enfin il a commencé à faire des vidéos dessus cette map. Après il y a le simulateur alsacien aussi. Alors c'est une belle map, je crois, oui. Alors je sais pas si vous avez vu aussi, j'ai mis des vidéos de chasse. J'ai déjà deux vidéos de chasse qui ont beaucoup de vues là, qui sont à plus de 400 vues là. Je vous remercie. Et aussi je vous remercie pour les 62 abonnés, ça fait plaisir. Continuez à vous abonner. Il va y avoir d'autres vidéos de chasse qui sortiront, d'autres vidéos de farming, et à la rentrée des vidéos IRL sur l'agriculture. Enfin, comme je vais faire des stages chez un patron, il y aura des vidéos. Enfin, chez un patron, je le connais assez bien, alors on pourra faire des vidéos. Et voilà. Plus, il a une belle exploitation. Il a 200 vaches à peu près.
Il a du beau matériel, hein. Il a deux New Land. Un 6050 et l'autre un 7000, je sais plus combien. Mais. Et il a un autre tracteur paillé, je sais plus ce que c'est. Franchement, il y a du bon matériel, il y a beaucoup de vaches, hein, là-bas. Vous verrez tout ça. En vidéo, vous allez voir. Moi, pour cette exploitation, elle est belle. Il fait des vaches de la Limousine. Et voilà. Hop là. Passer ici. Hop. Bon, bah sinon voilà, que vous dire d'autre, j'ai pas grand chose à vous raconter. La chasse, là on est quel jour? On est dit, ouais, bah dans 2 jours encore, vous aurez encore des vidéos sur la chasse qui sortiront. Que dire d'autre après? Allez voir la chaîne de Théo Derrieux et du simulateur lotois qui font des vidéos aussi. Allez aussi sur la chaîne, enfin le compte Facebook de la team lotoise, la team accrochée espace lotoise plus loin. Bon, vous verrez. Oh, on met quelques photos, mais tout ce qu'on peut. Ça va, on va assez vite. Pour semer le maïs. Après, on le fera pousser et on le fera en magasin. De l'ensilage, j'en ai encore. Faudra que je coupe de l'herbe aussi. Je sais pas si je ferai dans cette vidéo. Je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Pour curer les stabus aussi, parce que là, quand on va augmenter le temps, parce que je les ai paillés là, et quand on augmentera le temps, là il va y avoir du fumier, alors faudra les curer les stabus aussi. Mais ce que j'aime bien sur cette map, c'est qu'il y a, je sais pas, ça c'est déjà arrivé sur une de vos maps, que sur cette map t'as tout qui a ressemblé là, t'as pas des trucs à 3 000 km, et qu'en plus t'as les agneaux qui sont avec les moutons. Ça c'est bien, toi t'as tout qui a ressemblé, à part les poulets qui sont un peu écartés, mais ce serait même pas 150 mètres, 100 mètres. Sont pas loin. Après là-bas il y a une chambre froide pour faire de parce qu'on peut faire des multifruits, enfin des cultures de tout, mais bon, on va pas en faire, nous on va faire l'agriculture là. Il faudra aussi ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mettre le mince, comment ça s'appelle, l'épandeur à engrais. Je vais mettre un ouvrier. Je vais chercher. On va épandre l'engrais. Bah tiens, on va prendre toi. Je sais pas si vous avez déjà entendu son bruit à lui. C'est un beau bruit. Hein. Allez voir, parce que Théo Delreux a fait une. Je crois que c'est. Ouais, il a fait une présentation sur cela, je crois. Des cases. Hop là. Ils sont magnifiques. Hein. J'aime bien le bruit, tout ça. Là. Alors il est déjà rempli, lui. On va pas faire de l'intérieur parce que moi je sais pas, ça fait des bruits bizarres, ça. Attendez. Hop. Oh, on va bien voir. Ouais, trace de pied. Il est déjà dégueulasse. On était servi avant, mais bon. Ce qui est bien sur cet épandeur, c'est un épandeur que j'ai trouvé. On peut enlever la bâche. Alors là, vous voyez. Mais quand on enlève la bâche, ce qui est marrant, c'est que t'as l'engrais qui s'enlève. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, hop, là, t'as l'engrais qui s'enlève. Et que quand tu mets la bâche, eh bien, vous voyez, ça s'arrête. Hop.
Là, je vais là, hop, comme ça. Là, vous voyez, en bas à droite. 70 là. Et là, hop, on va arrêter. Hop, hop, hop là. Vous voyez? Moi, je mets comme ça, j'ai pas besoin de le remplir, je sais pas. Alors là, j'ai été un peu comme une merde. Mais bon, c'est pas grave. Et lui, là, il te fait ça aussi comme une merde, on passera par-dessus après. C'est pas très grave. Désolé, mais je vais te couper la route comme ça. Hop. Ça, hop. Ça va, ça écarte, ça c'est loin. C'est bien, c'est bien. Ok. Klaxon, on revient. Ouais, c'est chiant quand ils font des trucs comme ça, les ouvriers. T'as oublié de repasser par-dessus après. Bon, après, hein, vous savez. Très grave. Tant que ça pousse bien. Et voilà. Vous voyez, on a pratiquement fini de prendre le champ là. Il ne reste plus qu'à faire là-bas, à droite, à l'autre côté. C'est bien quand ça va vite. Nickel. Hop là. Hop, faire ce morceau là. Vous voyez, ça prend toute la largeur. Prenez un peu de maïs quand même, parce que sinon... Ils mangeront pas les petits. On va passer par les bouts, tant que l'autre y est encore. Vous voyez là-bas, il va avoir fini. Voilà. Hop. Voilà. On repasse par-dessus. Hop. Hop là, j'avais les feux d'allumer. Allez, c'est parti. Là-bas. Passer par là-dessus. Ah mince, faudrait que je le baisse. Là. Et voilà, on a fini. Hop là, voilà. Maintenant, on va le mettre dans le champ. Pas besoin de le replier. Hop, regardez, on est déjà arrivé. Allez, hop là. Alors, je suis là. Oui. Je vais mettre Tami dans l'autre champ. Je repasse un coup par-dessus comme ça. Hop là, alors excusez-moi les amis parce qu'il y avait un maire qui était rentré. Alors bon. j'ai dû arrêter parce que sinon ça allait faire des bruits. Sur la vidéo, ça allait pas être beau. Alors voilà. On revient pour semer. On continue. Excusez-moi, ça fait deux fois en deux vidéos que ma mère vient de rentrer. C'est énervant. J'espère qu'elle ne rentre pas. Allez, nous on va y prendre ici. Allez, c'est parti.
Hop, une petite vue intérieure. Petit peu. Derrière, ça y prend pas mal. Hop. Alors là, c'est les poulets où on est. Je sais pas si vous jouez. Là, il y a les poulets. Là-bas, le compost. Ici, les poulets. Et là, la chambre. Voilà. Comme ça. Ah, c'est chiant quand il fait ce truc là. Okay. Pas à travailler comme il faut. On va pas une bonne paye lui. Là. On va la rattraper. Là, on est pas ici. La paire, il passera par dessus. Ça retourne dans la terre. Mais comme il faut, bordel, parce que là, ça va faire. On va y voir. S'il y a mes pierres là. Là, je vais peut-être le mettre dans le sens. Je sais pas, je vais voir. Succès des verrouillés, ce verre, ouais. Non, je suis un grand semeur, à ce qui paraît. Voyons ça. Là, hop, on passe dans le petit coin là. Là, hop, et ici. Ça maintenant. Ranger ça et ouais, alors comme je vous ai dit, vous voyez déjà un peu de fumier là. C'est rien ça. Après il y en aura dans l'estabu, il faudra que le curé d'autres. Il y a un desktop là bas. Oula, mince. Je voulais tourner là. J'ai appuyé sur la mauvaise touche pour tourner. J'ai appuyé sur la touche pour reculer, ça a freiné et là ça n'a pas voulu reculer. Alors ça, on va aller le mettre là-bas, le ranger. Ah non, c'est pas là, c'est pas tout. Hop là. Ça, ça. Et on va le mettre là-bas. Allez. Ça ira bien. Comme ça. Maintenant, on va aller voir le type. Hop. On va le faire à sa place. Maintenant, parce que bon, on va passer par-dessus ces conneries. Parce que là, ça allait, mais maintenant. Regardez-moi cette pathétique. J'hallucine. Pas possible ça. Hop là. Ici. Et ici. Faut rester calme avec là, tu vois. Ces ouvriers là qui te font toujours la merde.
Après, ça dépend ce que tu mets, hein. C'est parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent pas mal. Ça dépend ce que tu remets derrière les tracteurs. Hein. Si tu leur mets, je sais pas moi, le semoir, bof, c'est des merdes, quoi. Enfin, c'est nul, ils sont nuls. Ils savent pas semer. Je sais pas, je sais que j'avais déjà réussi, j'avais déjà mis des trucs derrière le culti, ouais. Cultivateur, moi, il y en a. Après, ça dépend si c'est des petits ou des gros. Hein. Le John Deere, là, vous voyez, il s'est démerdé pas mal, là. Avec le gros Orche, ça allait bien. Il faisait pas de gros trous. Après les semoirs, tu les laisses, ils vont te faire n'importe quoi. Hein. Heureusement qu'ils te changent pas les semences. Hein. Toi, il te fait, vas-y, je vais semer la moitié de maïs et après je vais semer la moitié de betterave ou autre, tu vois. Imagine le type il fait ça, ouvrier. Ah non mais là. Mais de toute façon, quand tu les vois en multijoueur, mettons les autres, les types là, tu sais, tu veux faire une partie en multijoueur tranquille, tu vois, les types ils arrivent, tout ça, ouais, vas-y, on va faire tout ça. En fait, ils te font des conneries, tu sais, ils vont te semer un peu d'herbe par ici, un peu de maïs par là, un peu d'orge par là, un peu de blé par ici, un peu de maïs ici, hop. Ça, c'était. Mais bon, après, faut ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Ils se cassent s'ils sont pas contents. Hop là, on va faire ici là. Ça monte bizarrement, si ça monte en travers. On va finir de semer ce champ et je pense qu'après, les amis, on va se laisser là. Oh, il reste grand-chose. Ça. Et eh ma godesse qui se barre. Chantons, c'est pas ma godesse. Hein. Ah, je sais pas ce que c'était passé, mais ça, il a fait du bruit. Ça, 7h40. Je vais mettre un ouvrier pour l'instant là. En fait, je voudrais aller voir. Putain, pas là non. Hop là, encore des coups de lag. Là, c'est bon. Ce que je voudrais faire, c'est y mettre un coup au cochon, les pigs, les vaches, il y en a assez. Parce que j'en avais remis en vidéo. Les cochons. Pas, il n'est pas accepté ici. Hop, comme ça. Là. Et les poules en bas, j'en avais un aussi, c'est bon. Putain, on a une chaude un peu plus. Tout par terre. Oh putain. Hop là. Ça là, d'avancer un peu. Eh bien, qu'est-ce que tu nous as fait encore, hein?
pas combien on tourne, enfin, depuis combien de temps on tourne. Moi, de toute façon, on va pas tarder à arrêter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on se reverra dans très peu. Dans moins d'un jour, les amis, pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère. Hop, finir son saut. Hop, VX, hop là, allez, on va ranger ça. Et ben, bloque-toi les près l'arbre. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez-la, aimez-la, commentez-la. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine et salut à tous.